Salut, salut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la semaine de Saint-Valentin et aujourd'hui je vais vous parler de ce compte Instagram qui est Okean La Banane. Donc c'est une Française et elle est juste, elle est adorable en fait, elle est vraiment gentille comme tout. Voilà, il y a rien à dire. Donc vous allez voir, c'est pas un des comptes que je suis qui est le plus foufou, le plus coloré, c'est pas les make-up les plus artistiques du monde. Mais j'aime beaucoup son feed, alors je fais pas du tout attention au mien, mais j'adore le sien. Et voilà, elle est juste, elle est toute mignonne, elle est toute gentille, elle est vraiment adorable. Donc voilà, je voulais absolument vous la partager. Il y a quelques make-up colorés, mais aujourd'hui, on va reproduire ce make-up-ci qui est, je pense, la base de ces make-up. Enfin, reproduire. On va s'inspirer sur un make-up nude, tout ce qui est plus basique. Mais voilà, j'avais envie de partager son compte et du coup de refaire un de ses make-up. Donc voilà. Pour ce faire, je vais utiliser la Amrezy parce que comme ça, je peux la réutiliser une fois. Et je pense qu'avec les teintes ici un peu dorées et les marrons, on va pouvoir faire quelque chose d'assez similaire. Donc je vais me rapprocher et on va attaquer tout de suite. Alors pour commencer, je vais prendre le 217 de chez MAC et je vais prendre la teinte New Yorker puisque la dernière fois j'avais utilisé OJ, donc je vais prendre la teinte New Yorker pour mettre dans mon creux de façon assez large. Ah oui, il est pigmenté. Je ne pensais pas si pigmenté. Alors je donne un petit coup d'estompeur propre quand même pour bien peaufiner ma dégradée avec un 231 de chez Zoeva. Bon, il y a mon frère qui vient boire le café. Donc, avec un 231 de chez Zoeva, je vais prendre la teinte 1988 que je vais mettre en coin externe et en coin interne. On relie un peu dans le creux. Et avec mon premier pinceau, ben, j'estompe les bords. Et donc, je vais boire le café avec mon frère et je vous rejoins juste après. Voilà, j'en ai profité pour faire mes rats de cils, mettre mon crayon et mettre... reporter les couleurs, donc j'ai mis 1988 et j'ai dégradé avec New Yorker. Voilà. Alors ensuite je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte Dragon qui est juste ici, donc qui est là dorée pour mettre au centre de la paupière. Avec le pinceau on redégrade ici les bords. Je prends un petit peu de paillettes qui sont les litis pour mettre au centre, qui sont toutefois bien jolies. Et avec un petit pinceau précision, je vais prendre la teinte Anastasia qui est juste ici pour mettre en coin interne. Et voilà, donc c'est quand même pas mal ressemblant, c'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même pas mal ressemblant. C'est le genre de make-up qu'elle fait régulièrement. Donc je vais passer au mascara, mettre du rouge à lèvres et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà ce que ça donne pour le look final. J'adore, j'adore. Je me maquille que très rarement dans ces teintes-là, marron, doré. Mais j'adore. Et les paillettes, les litis là, elles sont canon. Canon. Je vous jure, elles sont magnifiques. Donc là, j'ai rien mis, j'ai pas mis de colle, rien. Et ça a l'air de pas mal tenir. Ouais, ça a l'air de tenir. Donc voilà pour Okean La Banane, voilà. Je vous mets bien sûr, comme tous les autres, lien. Je vous mets le lien en barre d'infos de son compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller la suivre si jamais vous ne la suivez pas encore et à profiter de sa fraîcheur et de sa douceur. Voilà, voilà. Et donc, on se retrouve demain pour la suite de la semaine de Saint-Valentin. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous.